Oui bonjour, aujourd'hui, aujourd'hui dans Parole d'internaute, nous accueillons Marjorie, qui au moment de la crise du Covid a vu sa vie basculer. En effet, elle souffrait d'un cancer. L'ablation de celui-ci avait été annulée à cause de la fermeture des hôpitaux. Et sa tumeur s'est métastasée. Aujourd'hui, Marjorie attaque en justice l'État. L'État, Emmanuel Macron, M. Véran, bien, bien sûr, et l'ARS. Alors, si vous avez été dans le même cas de Mar que, Mar que, Mar que Marjorie, vous pouvez la joindre. Vous verrez en bas de l'écran son mail et vous pouvez certainement faire une action groupée avec elle. Elle, elle a pris un avocat et vous pouvez sans problème, peut-être, faire une action groupée avec elle. Si vous-même, vous avez également été dans ce cas et vous avez déposé plainte, groupez les plaintes. Il ne faut pas se laisser avoir. Parole à Marjorie. Au revoir. Bonjour, Marjorie. Okay. Bonjour. Vous vouliez me parler de faits qui se sont passés en fin 2019 début 2020 c'est ça exactement lors de, lors de la, la, la première euh, enfin, l'arrivée du covid voilà c'est à dire euh, décembre 2019 euh, c'est ça, ça ouais. moi j'ai su la nouvelle le 23 décembre 2019 fait que j'avais une, une tumeur du muscle pectoral mmh. j'ai été prise en charge à Marseille dès, en janvier 2020 Ouais, à l'IPC, par un médecin très compétent qui m'a dit On va pouvoir vous opérer et on va pouvoir faire des traitements et on va pouvoir vous sortir de, de, de ce cancer. Il m'a dirigé pour des soins post-chimio au service d'ondo-oncodontologie ouais. euh, où j'ai été prise là aussi en charge par un médecin très compétent. On a, des, on, a, on a pris les premiers rendez-vous pour faire ces postes soins et en fait, euh, il y a eu le premier confinement. Bon, de, 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 dans ce temps-là, il y j'ai eu plein d'examens complémentaires à faire, etc. Et euh, en fait, euh, ils ont réouvert les services. Ce, ce médecin, toujours lui, n'a hein, pu me, me faire ses interventions qu'en juin, mmh. donc euh, avril, mais euh, quatre mois après. Et en fait, euh, en, en quatre mois, mon cancer s'était métastasé et j'étais plus ni opérable parce que la tumeur était partie et avait pris toute l'épaule. Euh, ni ni curable. c'était... Enfin, voilà. On m'a donné un, une espérance de vie et des, 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 des traitements à vie. Voilà. Et donc, j'ai déposé plainte. Vous avez déposé plainte, déposé plainte contre l'État J'ai ouais. déposé plainte contre Emmanuel Macron, contre Véran, contre tous les ministres en charge, tous les directeurs, les hauts les haut fonctionnaires en charge de l'ARS euh, nationale et... Euh, PACA et Marseille, et, enfin, voilà, j'ai déposé plainte en 2021 et mmh. je n'ai eu de retour de personne ah à bon part euh, un mail du cabinet du président de la République qui me donnait le nom d'une asso pour me faire aider. <laughs> Donc, je n'ai pas besoin de me faire aider, je suis, j'ai 51 ans, je suis intelligente, j'ai j'ai élevé mes enfants, je me suis occupée de mes parents, euh, j'ai travaillé, j'ai eu des postes à responsabilité dans des assauts. Donc, je n'ai pas besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on qu fasse les choses qu'il faut faire dans mon pays, en temps mmh. et en heure. Mmh. Donc, l'ARS a pris des décisions. Mon, mon chirurgien était fou de, fou de rage, il a pleuré. Euh, L'ARS a pris des décisions folles, voilà, contre la vie des médecins euh, qui. Euh, voilà. Donc. Euh, quand on vous dit les protocoles de soins n'ont pas été euh, stoppés, mais bien sûr que si, il y a des centaines de protocoles de soins qui ont été stoppés, des centaines de morts et de gens qui ont été dépité, dépistés trop tard, pardon, et qui ne s'en sont pas sortis. Mais voilà. majorité, il, doit y avoir, il doit y avoir des groupes de personnes justement qui ont porté plainte contre les torts. Très peu, je n'ai pas trouvé encore. C'est pour ça que j'ai lancé un appel sur Twitter, ben, au, à peu près. J'ai essayé deux trois fois de partager de, de, oui. en, en utilisant l'outil petit Twitter, hein, c'est-à-dire en citant les, 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 les hommes d'État concernés, oui. les agences telles que l'ARS concernée, la CPAM. Mais en fait, euh, tout le monde s'en fout. Ah, il, doit y avoir, il doit y avoir des avocats qui, qui, qui ont pris ça en charge. J'ai contacté des cabinets d'avocats. Il euh, n'y mmh. a que M. Brancourt. Qui m'avait dit envoyer un mail à une à l'adresse mais qui bon il a, a d'autres chats à fouetter est-ce que je peux comprendre hein. mais alors là par contre j'ai contacté un avocat une avocate toulonnaise euh, et on est en train de elle va m'aider voilà parce que là jusque là il a fallu que je me soigne oui. et je me soigne encore il y a des moments où je peux pas j'ai été opéré au mois de mai j'ai été opéré au mois de novembre donc euh, il y a des moments où je suis un peu down et euh, bon ben, ma santé est prioritaire mais je lâcherai pas l'affaire voilà je lâcherai ouais, pas l'affaire oui. il doit y avoir je suis persuadé qu'il y a des, des cabinets d'avocats qui s'occupent de ça ben moi aussi j'ai pas encore j'ai pas ouais. encore trouvé mais je finirai bien par être en contact et ouais, ouais, ouais. En, en continuant à en parler et en continuant je, je mmh. finirai bien par trouver en tout cas j'ai pris moi une avocate euh, maître David à Toulon euh, qui est on est voilà je suis en train de ramener toutes les pièces euh, pour qu'elle puisse euh, pour qu'elle puisse me défendre d'accord Très bien mais je regarde encore les chaînes voilà je suis très intéressée. je regarde gens je, 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 je regarde le monde moderne il euh, y, a, y a je crois madame Galactaros là qui a créé une chaîne aussi que je suis aussi oui, parce oui, que oui. parce que ce sont des gens qui parlent qui voilà qui relatent des faits qui nous racontent pas d'histoire quoi oui. euh, quand on connaît un tout petit peu l'histoire et la géopolitique on comprend bien ce qu'il raconte à Tf1 euh, c'est de la soupe c'est incroyable. Hein c'est incroyable, quoi. Ils se sont réclamés, en plus. On est... Enfin, les gens qui votent Macron, c'est... Enfin, ce moi, je me rappelle de mes parents qui étaient quand même pourtant des gens cultivés et, et intelligents. Ils croyaient ce, ce qui était dit à KF1. Ce que disait Jean-Pierre Pernaud, euh, euh, ouais, ouais, ma vrai. mère s'était ancrée, quoi. On pouvait, derrière... Euh, une fois que c'est parti et que c'est parti dans la tête de gens qui ont une confiance comme ça, comme... Comme ils ont une, une confiance au médecin, à l'institut, euh, mmh. c'est fini, quoi. Le jeu, il ouais. est plié. Eh bien, oui. Bah oui. C'est LCI, donc c'est la vérité. C'est étrange. Hein. C'est dystopique. Mmh. Encore que pour un sujet international comme la guerre en Ukraine ou au Moyen-Orient, je peux le comprendre, tout le monde n'a pas l'intérêt. Euh, mais au Covid quand on nous disait buvez le café buvez le café assis debout euh, ne des enfin, plages immobiles enfin on a vécu des trucs sur, des auto attestations qu'on pouvait s'imprimer par 15 traverser euh, l'europe <laughs> entière euh, enfin on a j'avais des gens cohérents en face de moi qui me disaient, euh, mais oui, mais quand même, pendant ouais. que moi, mon, mon service d'oncodontologie était fermé ouais. et que je sentais bien que ma tumeur, elle me sortait de l'épaule, quoi. À la fin, on aurait dit que j'avais un œuf de poule sous, sous la clavicule, là. Euh, moi, là, je me suis un peu énervée contre les gens qui gobent parce qu'il arrive un moment où. Euh, euh, croire que c'est parce qu'on gobe qu'on qu qu est sage qu'on va se faire vacciner qu'on a le droit d'aller au ciné fin... comment vous, vous pouvez voir l'état actuellement l'état français ah ben moi je le je le vois euh, alors je le voyais déjà euh, pas super de par mes, de, de de par mes parce qu'avant j'avais une vie hein, avant d'être malade j'étais présidente de la ligue de l'enseignement du var donc euh, je m'occupais des réfugiés. Je suis partie dans les camps jusqu'en Syrie, quoi, depuis mmh. 2013. Donc, je, je, je faisais plein de choses et je me confrontais déjà à un État qui, qui ne voulait pas voir la misère, qui ne voulait pas voir les problèmes, qui ne voulait pas entendre les choses et qui se protège via des, via des, 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 des via ces, ces outils administratifs. Euh, notre pays est en train d'être privatisé et euh, euh, et est aux mains de, de personnes qui n'ont absolument plus euh, l'humain en, en ligne de mire. Euh, leur combat, il est ailleurs. Il est financier, il est économique. Ça, ouais. on, ça crève les yeux. Mmh. Je, je, je vois l'état de. Enfin, on dérembourse. On... J'ai été obligé de changer de mutuelle pour être soigné correctement. Et je suis suivi dans le privé parce que IPC, c'est semi-public. C'est une usine, quoi. Mmh. Euh, on part aux biopsies pour le poumon, euh, le cul à l'air euh, par un troupeau. Il faut une personne qui vienne vous chercher, sinon on ne peut pas vous faire la biopsie. Enfin, on signe des décharges, on fait plus que ça. Et la qualité des hôpitaux ben, Dans le public, ils sont à poil. Mmh et dans le et dans le privé ben ils sont ils sont ils sont on est très très bien soignés moi je suis prise en charge à, à, à Saint-Joseph et je suis extrêmement bien prise en charge mmh. et quand mes soins ont repris ils ont repris dans le privé le public n'avait toujours pas eu, eu l'autorisation ah, vous, vous avez été obligé de de passer au privé bien sûr bien sûr j'ai été obligée, je suis passée de l'IPC à l'hôpital européen. Le médecin, en fait, qui me suivait, ne m'a pas lâché. On a échangé des SMS sur toute la période de mars mmh. à juin et il me disait Dès que je peux vous soigner quelque part, je vous le dis. Et un jour, il m'a dit Je peux vous soigner tel jour, là, à l'hôpital européen, venez. Là, ça a été un combat avec la CPM pour que mon 100% soit pris en charge et que je n'ai pas d'avance à faire mmh. parce que ce n'était pas gagné, parce que c'était le privé. Donc. Euh... Euh, quelqu'un qui n'a pas euh, le courage, qui n'a pas euh, la faculté de s'exprimer, de faire des courriers à la CPAM. Enfin, moi, j'ai la CPAM, je, 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 je les ai menacés d'appeler de, 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 la presse. Donc, finalement, ils, ils m'ont mis dans les... enfin, quelqu'un s'est occupé de moi et il s'avère qu'il y a des gens hyper compétents dans les administrations. C'est mmh. pas le problème. Le problème, c'est les protocoles qu'ils doivent appliquer, mmh. que ce soit à l'hôpital, à la CPAM ou ailleurs. Mmh. En fait, le problème, il est là. C'est que. On est face à quelque chose qui nous dépasse tous un peu, quoi. Mmh. Mais je crois que, que se laisser faire n'est pas la solution. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous en France, maintenant? Plus jeune, euh, plus jeune, je me disais, euh, plus jeune, je disais toujours malgré tout à mes gosses que la vie était belle, j'en ai trois, et que il y, une... <laughs> il y aurait une révolution. Maintenant, je leur dis, il n'y aura certainement pas de révolution. Euh, ça va être de plus en plus dur. Le peu de terre qu'on a, on le garde. Et préparez-vous au pire. Moi, je pense qu'on va plonger là le poste JO en France pour la France. Je ne parle pas du niveau international qui est. Voilà. Oui. Moi, je ne vois pas d'amélioration. Je, une... je, je, je vois la Grèce. J'avais suivi la Grèce. On, bon, majorité, il majorité, maintenant, maintenant, il faut montrer. Autre chose, il faut essayer de de, de faire autre chose. Il Il y a les, Europé chose, y a les bon. européennes là, il faut il faut essayer de casser cette cette avancée vers vers la guerre. Euh, je sais, ouais ouais, mais je suis pas sûr que les urnes. Je sais, je j'ai beaucoup de mal, euh, j'ai beaucoup de mal à longtemps. Hein, jusqu'à Sarko à peu près. Enfin, j'ai voté euh, à toutes les euh, depuis, j'ai beaucoup de mal. Je, on est face à des gens qui nous prennent pour des cons et qui ne s'en cachent plus. Euh, oui, je... D'accord. Et... OK. Mais là, il faut voter. Eh oui. Je, là, il ne faut pas oublier. Il faut pas oublier, faut pas oublier le, à mon avis, hein, bon, c'est mon humble avis, mais il ne faut pas oublier le bulletin de vote. Oui, j'entends. Je j'ai j'ai et, et envie j'ai envie d'y croire j'irai certainement parce que bon voilà mais j'ai quand même enfin euh, la vie enfin euh, je crois pas aux démons, je crois pas particulièrement en Dieu mais il est forcé de constater qu'il y a des forces du bien et des forces du mal et qu'en ce moment le monde il est mené par des vendeurs d'armes quoi oui. euh, c'est difficile de sortir de ça je fais enfin, voilà c'est ce, m... ce qui me préoccupe beaucoup il faut s'en sortir il faut ouais. absolument s'en sortir et puis ouais, merde il... qui ose gagner <laughs> ah mais ça c'est sûr <laughs> ça c'est sûr mais moi je suis plus euh... je croirais enfin, je, je, je... s'il fallait que je m'investisse encore un peu ce serait euh, dans des sortes de ZAD euh, où, où les gens ne font pas de violence mais s'organisent autrement mmh c'est-à-dire pour essayer parce que là très vite on va plus pouvoir payer enfin, aujourd'hui ce matin j'ai fait une rando avec une ancienne mère d'une commune du 04 une mmh. amie d'enfance qui a vu il y a trois ans partir l'eau euh, privatiser l'eau euh, pour soi-disant des, 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 des raisons euh. enfin bon bref bon. Elle, et là elle, elle avait ce matin une élue qui lui disait l'année prochaine le prix de l'eau ça, ça va être terrible les gens vont plus arriver à payer mmh. euh... quand les gens cherchent de l'eau ils se battent pas hein. Cherche de l'eau. Euh, C'est pour ça que moi, je, je prends plus à mes gosses, je leur botte plus les fesses pour qu'ils qu prennent conscience euh, qu'il faut se réorganiser pour notre survie. Il euh, y, y a 15 ans, mon aîné a 30 ans, il y a 10 ans, je lui disais il faut que tu ailles voter, il faut que tu ailles voter, il faut que tu ailles voter. Je, je la saoule plus maintenant avec ça. Par contre, euh, où elle vit, son environnement, euh, se, mm -hmm savoir qu'un jour on va manquer d'eau manquer d'énergie manquer de nourriture parce qu'on y arrivera oui. euh, c'est vraiment mais je, mais je comprends j'aimerais être optimiste encore mais cette maladie m'a quand même euh, paf voilà quoi m'a mm. voilà, m'a rendu plus égoïste peut-être sur euh, sur le, le 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 on fait on n'y a plus de commun quoi moi je ne crois pas au commun européen non j'ai voté non, quoi. J'ai voté non. Je, je l'avais lu, je l'avais lu ce sale bout de papier, euh, écrit en tout petit pour que ce soit bien imbuvable. Oui. Je, voilà, je l'ai encore quelque part à noter. Enfin, euh, voilà, j'avais dit non, quoi. Mm. Donc, euh, et Sarko nous a retournés comme des crêpes. Ah oui, enfin, il nous a retournés. Non, <laughs> c'est autre chose. Notre voix, est... notre vote. Oui, oui, oui. <laughs> Donc j'ai un peu ouais, j'irai peut-être voter, mais il va falloir que je me motive encore quoi. Pas dit. <laughs> mais il faut vous motiver alors là, la majorité, il ne faut, faut pas faiblir. Hein. Je sais. <laughs> Écoutez, je vous remercie beaucoup.